Ah, coucou, bien bonjour tout le monde, c'est Nemo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite map aventure. Ça faisait longtemps que nous n'en avions pas fait. Et je me suis dit, vu que cette semaine, si vous avez regardé l'aventure continue, mais si vous n'avez pas regardé, cette semaine, ça sera alterné entre l'aventure continue un jour sur deux et une map aventure. Donc, cette map là, je sais pas en combien de temps je vais la faire, mais les vidéos dureront 20 minutes comme les épisodes de l'aventure continue. Pour ceux qui ne regardent pas l'aventure continue, je ne suis pas. Pardon, je ne suis pas là chez moi cette semaine. Et du coup, j'en profite pour tourner des maps en avance. Enfin, des vieux démos en avance. Mais vu que j'ai 10 vidéos à faire aujourd'hui, enfin, en tout, j'ai déjà tourné celle de l'aventure continue. C'est des épisodes de 20 minutes. Voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve sur The Taken Kingdom. Une map créée par Underminer Poo, qui sera dans la description. Donc, c'est sa première map et c'est le seul constructeur de cette map. Très bien, donc on va voir ce que ça donne. A priori elle dure une trentaine, quarantaine de minutes. Donc je regarde l'heure, 20 minutes par épisode. On va y aller tranquillement. Alors, lire les règles en premier. Play on normal if you start in peaceful. Donc on est en normal. Relancer la map si besoin. Minimum render distance 10, je l'ai mis. Play on adventure mode. Je crois que je l'avais changé, mais dans le doute. Game mode A, ok. Faites ce qui vous est demandé de faire. Si vous pensez que vous êtes perdu, vous l'êtes probablement, d'accord. Pas de mode, seulement Optifan et les shaders, donc j'ai ni l'un ni l'autre. Soyez sûr que votre jukebox, le son de votre jukebox est bon, musique et son. Ça bloc musicaux. A priori, ouais, c'est une petite map aventure, énigme, réflexion, tranquille, t'as vu. Turn your music sound off, ok, oups, pardon, musique, hop, on l'enlève, et reporter les bugs si besoin, et don't hate, donc pas de haine. Eh bien, on est parti, mesdames et messieurs. Chapitre 1, l'histoire commence. Oh, XNXEOXX72, c'est finalement le matin. Hier, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la librairie, dans la bibliothèque, si vous voulez. Je l'ai écrit sur mon agenda, dans mon journal, qui est dans le coffre près de mon lit. Donc, petite maison sympatoche. Il y a un texture pack proposé. Donc, je l'ai mis. Il ressemble au Faceful, d'ailleurs. Secret et des céréales. Très bien. Alors, Secret. Page 1 sur 1. Le 5 mars 2003. Karl Pou. A priori, on s'appelle Karl Pou. Hier, j'ai été dans la librairie pour prendre des livres, et j'ai trouvé un papier avec une liste, enfin j'ai trouvé une liste de papier. I found a list of paper with my, une liste avec mon nom dessus. Je devrais probablement aller à la librairie et investiguer, donc faire des recherches. Je pense que je devrais emprunter un vieux livre, comme ça je pourrais faire plus de recherches. Ok, go. Bon, en gros, on a trouvé une feuille de papier avec mon nom dessus. Donc, il faut aller à la librairie. Allons à la librairie. Battleship Bakery. Ok, donc il y a un magasin. Il y a un truc avec de la bouffe. Librairie, c'est par là. Et par là, c'est pas ce qu'on a. D'accord. On va aller voir un petit peu le shop. Je crois qu'on peut faire des échanges avec des émeraudes ou des trucs comme ça. Bonjour. Wow. Ok, très bien. Alors, armure diamant, 32 émeraudes, armure en fer, 26, nanana, diamond sword, iron, ok, bow, 64 arrows. Comment on fait pour choisir? Donc ça, c'est les épées. Armure en cuir, armure en chêne. Il n'y a pas de... Je sais pas où est l'armure en diams. Bref, on s'en fiche, on va bien voir. Direction la librairie, on va pas perdre trop de temps. Je vais essayer de faire comme l'aventure continue. Il faut que je tourne toutes les vidéos, donc j'ai pas vraiment de temps à perdre. Et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez pendant ces 20 minutes, parce que ce sera un peu court. Léo le libraire. Bienvenue, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous cherchez ici, monsieur? Salut Léo, je cherche un vieux livre qui se nomme Vieux Royaume. Où est-ce que je peux le trouver? Il est dans la rangée 5. Ok, vous devrez le trouver facilement dans les vieux et moches, et livres moches. Merci. Alors,
Internet Coffee. Putain, ça, les FPS, ça donne quoi? Non, c'est bon. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des petits coups de lag. PC 2000, PC 2000 crashing virus. Ok, très bien. Ah, c'est toi, Léo. Salut. Row 2, row 1. Waouh, 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 mais j'ai des... Pourtant, j'ai mes FPS, mais j'ai des gros coups de lag. Enfin, j'ai... Ouais, je sais pas. Bah, c'était quoi? Rangée 5. Rangée 3, 4... Ils sont chelous, ces bibliothèques. Ah ah! Where is the stolen gold? All kingdom. Ah bah, c'est ça qu'il me faut. Vous l'avez trouvé, bravo! BBC, the devil, kings. J'ai trouvé une clé USB. D'accord, j'ai trouvé une clé USB dans ce livre. Ici, j'essaie de le lire. Forgotten. Oh, d'accord, ok. Ok, donc y a rien. All kingdom. Ah oui, d'accord, oui, il est vide. Et j'ai une clé USB. Ceci devrait aider. Ok, donc clé USB, je suppose qu'on peut l'utiliser sur l'ordinateur. Oh. Ok. J'ai mis la clé USB dans le PC. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, attendez, le PC est un petit peu vieux. Loading the USB. S'il vous plaît, attendez. Oh, c'est pas mal. Hein. Oh, ça rend des super trucs quand même avec l'1.8. Donc elle a été chargée complètement. Confirmer la prochaine épreuve. La prochaine étape. Pourquoi le livret est vide? Qui a lu ce livre? À quel royaume appartient ce livre? Quit. Ça marche pas comme ça? Ça marche comment? Oups! Oups! Confirm the next step. Ah, on peut cliquer dessus? Ah, d'accord, ok. Pourquoi ce book est vide? Ça fait, c'est un livre vieux de 200 ans. Il a été trouvé dans la rivière. Après, je suppose qu'il a été mouillé pendant trop longtemps. Qui a écrit ce livre? Des vieux écrivains. Ils étaient très 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 très, très riches et smart. Donc comment? Putain, smart. Comment on peut traduire ça? Je le sais en plus. Ils étaient ouais, smart quoi. Ça se dit aussi en français. T'es smart. T'as la classe, quoi. Ils avaient la classe. À quel royaume il appartient? Un royaume qui... Les scientifiques disent que ça vient d'un royaume très au nord. Il appartenait au roi Kim Jempu. Quitte. Ok. Merci beaucoup. Revenez si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Je devrais montrer ce livre à mon grand-père. Il en sait probablement mieux, plus que moi. Il vit dans la maison près de la mienne. Eh bien, allons-y. Avec mon super skin de soldier. Donc, il habite dans ce... Oui, si on peut appeler ça une maison. C'est quoi, ça? Les vieilles mines. Tout est vieux, ici, en fait. Clairement, c'est ça. Oh, c'est Mario. Bonjour, grand-père. Hello, Hello, petit-fils. Salut, grand-père. Est-ce que tu sais quelque chose à propos du livre All Kingdom? Non, pourquoi? Il vient d'un royaume riche. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai trouvé. A priori, il y a un riche royaume au nord. Grandson, donc petit-fils, est-ce que tu es bourré? Non, tu sais bien que je ne bois pas. Donc tu plaisantes. Notre famille est riche. Ah, a priori. Ah oui, d'accord. Donc il avait le même nom que nous, c'est ça le... le nom, il appartenait à, oui, James P. Oui, c'est ça, et nous, on est des P. On est la famille P. C'est pour ça qu'il y avait notre nom dessus et qu'a priori, le royaume nous appartient. Notre famille est riche, je pense que oui. Oui, on voit la souris, c'est vrai, sur le record. Tu devrais probablement demander à ton père. Il est dans la mine. Je n'ai aucune idée à propos de ça. Peut-être qu'il sait quelque chose. Eh bien, allons dans la mine! Suivons les étapes! Heureusement que j'ai révisé mon anglais avant de venir. Allez, continuons, continuons, continuons. A priori, c'est une petite map sympathique. Hein. Petite map tranquille. Waouh! Fils, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la librairie. Eh bien, dis-moi ce que c'est! J'ai trouvé des informations à propos de notre passé. Nos grands-parents, il y a 200 ans, avaient un royaume riche, bien au nord.
A priori, le père en a entendu parler aussi, mais je ne crois pas en ces rumeurs. Rumeurs, c'est sottise. Peut-être que c'est vrai. Où est-ce que tu vas avec ça? Tu ne vas pas aller vers le nord, hein? Pourquoi pas? Ce n'est pas si dangereux que ça. Et si je trouve le château, je reviendrai chercher de l'aide. Bien, donc si tu y vas, tu devrais probablement t'équiper pour être prêt. Je peux te donner de l'argent si tu me ramènes un peu d'essence. Je pense que ton grand-père en a. Oh putain! Oh, les trucs de RPG quoi. Elle va me chercher la banane au fond du tiroir. Peut-être que je pourrais te donner comment dire une pièce de monnaie. Allez, donne-moi ton fuel, toi. Ah! Du fioul. Oh, un diamant. Lingot d'or. TNT. Diamant. Silex. Lingot de fer. Toile du Nether, du bois. Un seau d'eau. Je peux me faire un briquet et faire péter des TNT du coup. Vu que j'ai du silex et du fire. Bon, j'ai du fioul pour toi, Bobby la mouche. Taglac, 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 tuant de soin. Taglac, 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 tuant de soin. Tiens! Je l'ai ton fioul! Faut le jeter? Oups. Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris! J'ai compris! Tiens! Spread this into the fuel tank. Ouais? Ah d'accord. C'est bon comme ça? Ah! 32! Tiens, bien joué! Tiens, prends de l'argent et si tu as besoin de plus d'émeraudes. Essaye de trouver le secret dans la maison de grand-père. Chapitre 2. Getting ready. Soyez prêts. Attends, moi je veux plus d'argent, moi. Il y a un secret. Try find secret saving in Grandpa's house. Secret saving. Alors, on peut faire. Ah, on peut peut-être faire un beacon, non? Comment ça se crée un beacon? Peut-être un truc à faire. Ah ah! Tadam! Oh. Ah ah ah! La planque dans l'armoire! Oula! Oula oula! Eh ben un petit peu de jump! Il pleut ou? Il pleut! Alors attendez, un petit weather clear. Un petit weather clear, je n'aime pas la pluie dans Minecraft. Mais hé! Eh c'est bon, j'ai fait une map de jump il n'y a pas longtemps. Voilà! Je préfère. Oups. Oupsie. Et go! Ouais, bah ça marche que d'un côté, c'est pas possible. Ok. Pourquoi ça marche un coup sur deux? Je sais pas. Mais! Mais tout à l'heure, ça a marché, non? Ça a marché, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Ok. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je veux l'argent en plus, je veux une armure en diamant. Mais fuck you! Je veux une armure en diamant. Qu'elle soit belle, qu'elle me sert à merveille. Cette armure en diamant, il me manque des émeraudes pour l'acheter. Et moi je veux l'acheter. Je chante comme dans un Disney. Par contre, ça me saoule. C'est vraiment pourri ce truc. Waouh! Allez! Ah bah c'est bon. Ensuite. Ok, ça c'est l'échelle pour remonter. Ok. Wouhou! Fuck you! Ah, c'est pas facile, hein. Il a mis des trucs. Il a mis des trucs de fourberie. Les fou fuck. Les fourberies de Scapan. Je sais plus comment ça s'écrit, mais. Yeah. Hop là. Ce n'est point simple, ce n'est point simple, mais ce n'est pas grave. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons faire cette map correctement. Oh, je peux pas. Ah! Alors, faut trouver le bon point d'accroche.
le bon point d'accroche de jump. Vous pouvez essayer cette map, hein, elle sera dispo dans la description. J'ai pas mis trop de temps à la trouver, j'étais un petit peu sur les forums de Planète Minecraft, je crois. Et puis j'ai cherché un petit peu, et puis voilà, elle me semblait sympatoche. Je veux pas une map trop longue, donc bon. Et par contre, comment on fait pour manger? Comment on fait? Peut-être juste faire un petit saut normal. Hey! Il y a la hauteur normalement pour faire le saut. Je tips, moi je suis comme ça. Je vais mourir si je continue. Bon, je suppose que je repop dans ma chambre, donc ce n'est pas non plus trop dérangeant, c'est juste à côté. Mais ah bah non, j'ai pas envie de recommencer tous les jumps, c'est de la merde. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, j'ai dit que je voulais progresser dans ces vidéos. Oh, punaise! Punaise, oh, il me reste deux essais, je pense, là. Oh. Ah! Problem is... I'm out of food! Fuck it! What? Allez... C'est parti, on est reparti, on va refaire le jump. Oh là 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 là! De toute façon, c'est bien. Non, c'est pas encore la fin de l'épisode 1. Oh, punaise. J'aime pas ces sauts à la con. Ça m'énerve. Oh! Je voulais faire une map aventure, pas une map de jump. Eh, hey, ça devait passer. Ça devait être bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu moins de mal que moi, parce que je sais pas, il doit y avoir une technique spéciale. Voilà, nous sommes de retour. Oh merde, tout mon stuff est en bas. Bon, bah, de toute façon, je tombe. Succès obtenu, coupon du bois. Je peux pas placer de bloc. Ah, je peux pas placer de bloc en mode aventure. Ok, très bien. Ok, bon. Mais pourquoi j'arrive plus à y aller là? Je suis la frustration. Oh, sérieux. Allez, c'est reparti, la vie descend. Mais pourquoi j'y arrive plus? Pourquoi ça ne veut pas passer? Je vais commencer à être pas content. Et si le Néo il est pas content, eh ben le Néo il... ça me gratte le nez. Voilà. Oh, ça m'énerve ces trucs là. C'est le début du jeu et le mec il nous fait chier avec des sauts à la con. De toute façon je m'en fous, c'est un anglophone, alors si je veux l'insulter, je l'insulte. Con. Voilà. Oh sérieux. Ça a commencé à me blaser ça. Voilà! Ça marche là ou pas? C'est nul! Ce n'est pas possible! Oh, fuck it! De me concentrer, mais j'ai que 20 minutes, j'ai pas de temps à perdre comme ça, messieurs dames. J'ai pas de temps à perdre sur ces conneries. Le mode aventure, c'est nul en fait, parce qu'on peut mourir seul. Ah bah attendez, gears up, motherfucker. Voilà, allez, maintenant on va prendre un petit peu de protection et on arrête de faire de la merde. Hop! 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 Fuck! Je pensais au perfect. Je pensais au perfect, mais en fait ça protège rien du tout. Je perds quand même tous mes cœurs. Faut qu'on aille là. Et après, faut que j'arrive à faire un sprint sur les barreaux, quoi. Bravo, Levo! Bravo Levo! Eh ben c'était vachement difficile ça comme épreuve, dis donc!
C'était vachement. Et ben voilà, je me suis fait chier pour rien. Tout simplement. Ça me fait 64. Et ben voilà, 64. On peut s'acheter plein de trucs avec 64 émeraudes. On va aller se faire un stuff, mesdames et messieurs. On a volé l'argent de grand-père. Voilà. C'est cool. Et voilà, pile à ce moment-là. Voilà! Et voilà, c'est l'ami Théo qui m'envoie un message. Théo, tu me déranges en pleine vidéo, comme d'habitude. Mais ça va grave, je te fais des bisous. Bon, bah, tout simplement, salut grand-père! Merci pour ton épreuve à la con, là, qui m'a fait perdre du temps pour rien. Direction le shop. Ah, mais c'est ça pour avoir de la bouffe, non? Ah, bah oui, je suis con. Ouais. Moi, je vais utiliser mes 64 émeraudes. Bon, c'est pas grave, je pense que ça se fait là-dedans. Diamond Armor. Voilà. Diamond Sword. Bow. Paf. Il me reste combien? Il me reste 6 émeraudes. Ok, 6 émeraudes, j'ai un arc, des flèches, j'ai pas de bouffe. Mais bon. Ça coûte, ouais, il me manquerait 2 émeraudes. Tant pis. Bon, j'ai pas de bouffe. C'est parti. C'est parti. C'est pas parti tout de suite. On va se retrouver sur l'épisode 2 très bientôt. Nous allons aller vers la. Bah, vers la porte, je pense que c'est celle-là. Nous avons exploré le petit. Ah, on pourrait peut-être explorer un petit peu le village. Il y a peut-être des émeraudes cachées, non? Vous en pensez quoi? Ouais, il y a peut-être des émeraudes qui sont cachées. Auquel cas, nous allons essayer de les trouver. Si on peut choper quelques petites émeraudes pour avoir de la bouffe, ça serait bien. Histoire de. Bah, de se nourrir, tout simplement, hein, avant toute chose. Alors, est-ce qu'il a caché des émeraudes, le mec? Je suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il ait caché bien, bien grandes émeraudes par ici. Non. Il a rien caché, le saligaud, donc en gros, on se démerde. On se démerde. Bref! Ouais, t'es sûr. Bref, on s'arrête là pour l'épisode 1 de The Taken Kingdom. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le nom de la map. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2. J'espère que l'épisode 1 vous a plu. Si c'est le cas, c'est une petite série toute simple. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers un commentaire, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Le Twitter ainsi que la map sont dans la description. Je vous fais des bisous sur vos fesses, des caresses sur le bout du nez, des gros bisous de grand-mère. On se retrouve dans 2 jours pour l'épisode numéro 2. A plus, ciao, bye et clin d'œil pour finir.